En ce mois d'octobre 1945, le Japon a capitulé, il n'y a pas même deux mois, et les Américains n'ont cesse de se congratuler ainsi que de conforter leurs alliés, vainqueurs également. Les Britanniques d'abord, qui se réinstallent dans leur empire, les Chinois, qui mettent la main sur le nord de l'Indochine en vertu des accords de Potsdam. Eux-mêmes, les Américains, stigmatisent justement les forfaits commis par les Japonais. C'est ainsi qu'ils expliquent maintenant que c'est aussi pour mettre fin à ces crimes de guerre qu'ils ont lancé deux bombes sur le Japon. Mais leurs bombes, n'est-ce pas également un crime contre l'humanité ? Pour commenter les actualités américaines et d'autres documents qui portent sur l'escalade des crimes de guerre au XXe siècle, nous sommes avec Albert Jacquard, un savant qui a été et qui est toujours biologiste, démographe, économiste et qui a écrit sur plusieurs champs de nos connaissances. Il a écrit notamment cette phrase qui m'a beaucoup frappé, que les progrès techniques n'ont cesse depuis plusieurs décennies de se perfectionner, mais que notre mentalité ou notre esprit demeure dans bien des cas au Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que tout au long de son histoire, depuis des centaines de milliers d'années, l'humanité a essayé de progresser dans la domination du monde qui l'entoure. Et chaque fois que nous avons fait des avancées, c'était effectivement un progrès. Et nous avons toujours salué ces progrès. Et cette philosophie qui date de toujours était bien résumée par une phrase d'un philosophe, Francis Bacon, qui disait que le but de la science et de la technique, c'était de réaliser tout ce qui était possible. Alors allons-y, dès que par notre intelligence on a pu faire quelque chose, eh bien on la réalise cette chose. Cette fois-ci, ça n'est plus vrai. Il faut écouter non plus Francis Bacon, mais Albert Einstein. Et justement, le soir d'Hiroshima, il a eu cette phrase terrible, il y a tout de même des choses qu'il vaudrait mieux ne pas faire. Eh bien, tant qu'on continue à faire des choses parce qu'on peut les faire, et on se réjouit d'être un peu plus puissant qu'avant, on risque d'aller dans la pire des directions. Maintenant, il faut écouter Einstein et se dire, non, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et par conséquent, l'important, c'est de connaître la finalité. Et naturellement, en ce qui concerne la destruction, on a fait des progrès fabuleux, puisque maintenant, on le sait bien, l'humanité est entre ses propres mains. On peut détruire toute la vie sur Terre en quelques heures. C'est possible. Est-ce à faire ? Évidemment pas. Et c'est à ça qu'il faut vraiment songer aujourd'hui. Eh bien, on va voir ces actualités américaines qui n'abordent pas encore ce problème, où la bonne conscience, en quelque sorte, s'exprime à chaque minute. Et on va commenter l'évolution à la fois des crimes contre l'humanité et l'escalade de ces moyens utilisés par les uns ou par les autres pour dominer la planète. At Wright Field, Ohio, small pilotless planes are revealed as one of the Army's really big war secrets. Launched by catapult, these toy-like planes attain airspeeds up to 200 miles per hour. They're controlled by radio from the ground. The operator regulates elevators and rudder with a mere twist of the wrist, simulating the fanciest maneuvers and evasive action of a highly skilled pilot in a fast fighter plane. This compartment contains a parachute for landing. These speedy, hard-to-hit flying robots serve as practice targets, and they're one of the reasons behind the remarkable accuracy of American aerial gunnery and anti-aircraft artillery. After a session with these elusive midgets, a real plane begins to look and act like a freight car, and is easy to hit. When the little planes get through unscathed, they're brought down gently by the built-in parachute. New tricks to keep American aerial marksmanship the best in the world. To her own country after 14 months in the United States comes Madame Chang, wife of China's famed Generalissimo.
At one time dangerously ill, she is now reported to be almost recovered after months of medical treatment in New York. Generalissimo Chiang Kai-shek's car is late as he arrives to meet his wife in Chungking. His appearance, however, sets at rest the frequent rumors that he and Madame Chang had separated permanently. Then at the Chinese leader's country home, a banquet for Americans, for the crew of the C-54 that brought her safely home. And decorations for the crew. For Madame Chang, it's a return to a new China, her own country victorious after 8 terrible years of war, now looking to better days of reconstruction and peace. Honors for Joe Louis from Uncle Sam. At Fort Hamilton, New York, the world's heavyweight boxing champ receives the Legion of Merit from Major General Clarence H. Kells. The award goes to the 31-year-old fighter for exceptionally meritorious conduct. Sir, I am grateful. I consider this honor. America salutes a soldier and a champion. In Hollywood, the cameras focus on Shirley Temple, just married to Sergeant John Agar. The charming young bride is now 17, although she's a moving picture veteran. Shirley met her new husband, a 24-year-old aviation engineer, 2 years ago. The wedding climaxes an engagement announced last April. For many a moviegoer, it seemed only yesterday that she had been 3.5 years old when she first began her film career. Shown here in scenes made in 1939, she's been a leading lady from the start. Still at the top after almost 14 years in pictures, today she gets her biggest real-life role as Mrs. Agar. And from a million fans, it's Good Luck, Shirley. At New York's Sub-Treasury Building, a ceremony to mark the 156th anniversary of the Bill of Rights. Gardner Osborne introduces Mr. Barney Balaban. Vice President of the Bill of Rights Commemorative Society, Mr. Barney Balaban. Mr. Osborne, it is a genuine pleasure to have a part in this program commemorating the enactment of the Bill of Rights on this very site 156 years ago. It is particularly gratifying to me that my friend and associate, Cecil B. DeMille, is the guest of honor for the occasion. For many years, Mr. DeMille has concentrated his great talents in the development of the motion picture industry. And since its earliest days, his leadership has always been distinguished by his faithful portrayal of American life and traditions. It is eminently fitting that he should be accorded this recognition on Bill of Rights Day. In behalf of the Bill of Rights Commemorative Society, it is my great honor to present to him this exact replica of the historic document which we extol in these ceremonies. To Americans, the message of this historic document has grown in significance, grown through the lessons of many European countries' long blackout of rights and civil liberties. Then Mr. DeMille says, "Don't trade the American way for the way of any other country on earth. Our faith in freedom was the driving force behind the arms that raised our banners over the ruins of tyranny in Rome, Berlin, and Tokyo. And America will endure as the home of the brave as long as we keep it the land of the free." Nylon stockings are back. 10,000 pair hit New York City in a surprise sale. There was no advertising, but in 5 minutes by the clock, here's what happened. For years, the ladies have seen nothing but rayon, cotton, lisle, and leg makeup. Now it's nylons, and they pour in from all over town. 20 policemen are mobilized. There is no rioting, surprisingly.
an indication that the post-war world may have its moments of calm. Lines like this, however, are due for a rapid disappearance. As a result of military cutbacks, nylons will soon be plentiful. By Christmas, ladies, 3 million dozen pairs will be on the market. Gee, Mr. Connolly, would you mind repeating that figure? Not at all. 3 million dozen pairs by Christmas. These customers haven't heard the news. So on this last pair, it's every girl for herself. Give it to me. I was here first. Give it to me. Notre Dame's opening day luck is traditional. But this year, Illinois, heavier, faster, more experienced, figures to beat the Irish. Illinois kicks off. Notre Dame runs it back to its 24. Routine stuff. 45,000 fans in the big South Bend Stadium settle back to watch. Illinois has been inside Notre Dame's 10 five times, but here's the payoff. Butkovich's pass is partially blocked. Scott of Notre Dame intercepts, and that's the ball game. The luck of the Irish still holds. One Notre Dame play was enough, and it's Notre Dame 7, Illinois nothing. Into New York Harbor comes the German superliner Europa, now a prize of war. Aboard are 4,300 of our troops. Below decks in the once luxurious restaurant, a U.S. Marshal formally takes possession of the 50,000-ton liner for the United States. With nightfall, the ship and its GI cargo are docked in downtown Manhattan. And from these homecoming vets to New York's mayor, it's hiya, Butch! In Washington, a little boy awaits his dad's return from war. 11-year-old Patty Devereaux, whose father is Marine Lieutenant Colonel James P. Devereaux. The reunion has a tragic cast. During his 4-year absence, the colonel's wife and mother both have died. And Patty, with eyes that barely keep the tears back, sees visual evidence of his father's long imprisonment. Everywhere, Americans are glad that the lank hero of Wake Island is home again. But most of all, this is Patty's Day with Dad. Clean up in Hong Kong. Films just received in America of the last Jap bastion to revert to Allied military control. The British move in and turn up some fanatical enemy snipers. What were probably the last shots fired in the long war against Japan give way to the silence of defeat. Now, at the international gates of Hong Kong, Chinese eyes look in at the enemy that had brought this city to surrender only a few short weeks after Pearl Harbor. Japanese soldiers bow their heads as the British flag flies once more over Hong Kong. Clean up in Manchuria. The tables are turned at Mukden, once a prison camp for Americans, but today filled with former Japanese guards. Now the jailers find themselves in jail. For our boys, many of them heroes of Corregidor and Bataan, there's music again and magazines from home. They're ready now for home itself. High over the strange wasteland that is Tokyo today, General Jimmy Doolittle takes a first-hand look at the results of the smashing raids by our mighty air power. This desert was made by no atomic bomb, but day-in, day-out strikes of B-29s. Here in the streets of devastated Tokyo, some kind of life still goes on. But even amid this destruction, the Japs are arrogant, though their dejected attitudes here seem to belie it. And here, too, police turn up a voice heard over Jap broadcasting stations as a regular propaganda feature. Tokyo Rose, familiar to every fighting man in the Pacific. An interviewer asks some questions. We know that you are one of four Tokyo Roses. Where were you born? In Los Angeles. Where did you go to school?
I went to Compton Union High School. How long ago did you come back to Japan? 4 years ago. Where did you do your broadcasting? Radio Tokyo. I... Tokyo Rose tries to laugh it off, refusing to admit that she was disloyal to America. Today, Japan begins to learn the grim facts of occupation. As an industrial, commercial, and military power, Japan does not exist. This is a country in a state of utter collapse. The wreckage of the war she wanted begins to move in a job of reconstruction unparalleled in all history. Allied controls grow tighter as we face the grave problems of winning the peace. Payoff in Hong Kong as the British return. Almost 4 years of Jap rule ends behind the barbed wire of Shamshipo prison camp. For the 6,000 Japs here, there's rough treatment. The British are seeing to it that these men are dealt with in the firmest way possible, making it clear that they are the losers. They are stripped and searched by Punjab guards, men of the famed 5th Anti-Tank Battalion. 18,000 Jap soldiers were still in Hong Kong when Japan surrendered. Now, speed up as the prisoners are put to work reconditioning the camp. All work here is done at double time. Today in Hong Kong and wherever the Japanese are prisoners, the hard facts of occupation and defeat take on their grim and total meaning. Cheers for Americans at Gyeongsang, Korea. These films, which have just reached the United States, show the wild enthusiasm that first greeted the liberators of this country of 30 million people. Later, their joy turned to despair as they learned that Jap administrators were to stay, a policy that public opinion brought to a speedy reversal. Now, the flag of the rising sun has gone down for the last time. A new flag takes its place. Tokyo. Emperor Hirohito pays a visit to General MacArthur. These films, rushed to America, were made just before the Emperor's precedent-shattering call on the Supreme Allied Commander. They are the first new films of Hirohito to be shown in this country since the war began, as rumors of his abdication began to spread. Elsewhere in Tokyo, Admiral Bull Halsey makes his last ride. It seems the Admiral expressed a desire once to ride the Emperor's white horse. Well, this is a substitute horse. The Admiral said he'd never been so frightened in his life, but he does ride. At a Tokyo schoolhouse converted by the 98th evacuation officers into a hospital, General Hideki Tojo rests after his unsuccessful try at suicide. Scorning the traditional knife, he used a pistol that missed his heart. He had bungled again as he bungled the war. Sergeant John Arsenal of Pennsylvania contributes a pint of blood, saving Japan's warmongering premier for trial as a war criminal. Today, the most hated individual in all Japan, Tojo still insists that the war of Greater East Asia was a just war. Nagasaki, scene of the most destructive bombing in the history of the world. And now, just released the official breathtaking film shot from a B-29 of the bomb that ended the war. Blue-green light lit up the entire sky in the wake of the tremendous blasts. Below, thousands were dying. At the top of the gigantic pillar of smoke, 45,000 feet high, an enormous mushroom cap seethed and boiled in terrible fury. With the atomic bomb, for better or for worse, a new age has been born.
Robert Jacquard, vous avez remarqué avec quelle gentillesse, si j'ose dire, les Américains, après avoir stigmatisé les crimes de guerre du gouvernement japonais, évoquent la façon dont ils ont jeté des bombes atomiques sur le Japon. Ils n'ont pas encore mauvaise conscience. Comment vous voyez avec le recul ces événements ? Au fond, ce qui s'est passé à l'époque, ça a été une avancée assez considérable dans la prise de conscience du rôle des hommes, car avant, il y avait des guerres, des lois de la guerre, et quand on ne respectait pas les lois de la guerre, il y avait un crime de guerre, comme vous venez de le dire. Et on est passé tout d'un coup de la notion de crime de guerre à crime contre l'humanité. Car finalement, au fond, quand on fait la guerre, c'est bien d'accord, tout le monde le sait bien, on fait n'importe quoi. Les pires horreurs ont été faites par tous les combattants, dans toutes les directions. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de s'opposer à telle ou telle nation ou à telle ou telle armée. Il s'agit tout d'un coup de savoir ce que l'on fait avec l'humanité tout entière. Et c'est ça que les Américains n'ont pas compris au début. Ils ne se sont pas rendus compte à quel point ça n'était pas simplement une super arme qu'ils avaient avec la bombe nucléaire. C'était un changement complet de toute la problématique. Et malheureusement, 50 ans plus tard, on a l'impression que ce changement de mentalité n'a pas toujours pénétré dans nos esprits. Oui, vous avez raison en ce sens qu'il est sûr que autant Roosevelt et Truman étaient déterminés à acheter la bombe, Roosevelt même sur l'Allemagne s'il le fallait, c'était donc pas une bombe destinée aux Japs, mais destinée à l'ennemi tout simplement, s'ils étaient bien déterminés à le faire, ils ne s'attendaient pas à ce que la bombe puisse avoir des effets pervers 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, et ou même qu'elle détruise des cités entières. Ils s'attendaient simplement à un bombardement un peu plus dur, n'est-ce pas, que les bombardements qui se commettaient sur d'autres cités japonaises. D'ailleurs, au Japon, le plus dur a été souvent ce qui s'est passé avant la bombe, n'est-ce pas. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que c'est un tel effet, à la fois biologique, psychologique et terrifiant sur le Japon. Et c'est seulement depuis que peu à peu le problème a été soulevé. Oui, mais vous voyez combien il est difficile de faire passer une lucidité à ce propos. Il y a quelques années, les Américains, pas mal de chercheurs américains ont développé le concept d'hiver nucléaire. Ils ont montré, et ça n'est pas de la propagande, c'est vrai, que l'utilisation de seulement 5% du stock de bombes nucléaires actuellement disponibles suffirait pour créer un hiver nucléaire qui tuerait la totalité de l'humanité et probablement la plupart des espèces évoluées. Par conséquent, ça ne sert plus à rien de détruire l'ennemi, puisque en même temps c'est un suicide. Ce qui vient de se produire, c'est qu'on a dépassé ce que la Terre peut supporter. La Terre est toute petite. D'ailleurs, c'est en 1945, justement, juste après la bombe nucléaire, que Valéry s'est écrié « Le temps du monde fini commence ». Eh bien oui, nous sommes sur une Terre si petite que nous avons des moyens de la détruire qui dépassent exactement ce qu'elle peut supporter. Par conséquent, toute la logique de la guerre, de la destruction de l'autre, toute cette logique-là doit être rechangée, hélas. Hélas, ça n'est pas passé dans beaucoup d'esprits. Oui, cet hiver, d'ailleurs, je crois, dans un de vos livres, si ma mémoire est bonne, il y a une carte assez extraordinaire et qui montre toutes les zones qui disparaîtraient et il ne suivrait qu'un peu du pôle sud, si je ne me trompe pas. Oui, il resterait pratiquement rien, pratiquement rien d'habité. Donc c'est une autre logique qu'il faut. Il faut s'apercevoir que le moyen de gagner une guerre, évidemment, il existe. On peut détruire l'ennemi, mais en le détruisant, on se suicide. Par conséquent, ces armes-là sont simultanément des armes de victoire, une victoire qui durera quelques heures, et des armes de suicide. Donc les employer est évidemment inutile. Bien sûr. Eh bien, on va voir d'abord le premier thème abordé par ces actualités américaines, c'est-à-dire les crimes tels qu'on les voyait à l'époque contre l'humanité, c'est-à-dire les horreurs commises pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est elle qui a atteint le comble de l'horreur, on le croit, et je crains que ce ne soit vrai. D'abord chez les Japonais, parce que souvent, disons qu'on a un peu sous-estimé pendant longtemps les crimes de guerre japonais, pour des raisons politiques multiples, n'est-ce pas ? Et on a des images très dures qui nous montrent que chez les Japonais, l'escalade des crimes a été presque aussi terrible que du côté des nazis. Alors on va voir plusieurs documents. On va d'abord voir la marche de la mort, qui est un superbe document reconstitué par Costel et Turenne dans la bataille du Pacifique il y a 20 ans, qui nous montre ce supplice épouvantable infligé aux Américains et aux Anglais, prisonniers aux Philippines. C'est un document qui porte sur l'année 42. Ensuite, on va voir, 3 ans après, ce que sont des prisonniers vivants, survivants des camps japonais, et on verra que les camps de la mort nazis sont pires, mais de justesse. On nous a assemblés là, sur cette route-là. Vous imaginez,
70 000 personnes, 70 000 hommes philippins, américains. On nous a dit de commencer à marcher. On ne savait pas pourquoi. Et on a commencé à marcher. Et on a marché. Et on a marché pendant plus que 10 jours, jour et nuit, sans manger. On nous a arraché les chaussures, les chemises, nos vieux casques de guerre. On était presque nus, tous malades. On marchait à quatre files. Donc les deux rangs de l'extérieur étaient tellement battus qu'il fallait changer chaque heure avec les deux rangs de l'intérieur. Parce qu'autrement, ils n'en pouvaient plus, ils tombaient tout le temps, tellement ils étaient battus. Quand un type tombait et nous ne pouvons plus le traîner, le tirer, l'aider, on le laissait. Et finalement, un garde japonais vient avec son fusil lui donner le coup de grâce. Une des choses les plus touchantes, surtout la marche du mort, pour nous, était le courage des femmes philippines qui voulaient à tout prix nous donner quelque chose à manger. Quelques boules de riz, quelques bananes, ça rendait fou. Les gardes, quelquefois, entrent dans les maisons pour prendre les femmes, pour les gifler. C'était ici, dans cette petite place devant l'église. Je crois qu'on était 12 000. On a déjà marché depuis 7 jours. On n'en pouvait plus. On a prié les gardes de nous laisser s'asseoir ou de s'allonger. Ils ne voulaient pas. Des heures passées. Finalement, un de mes camarades a essayé d'entrer dans l'église. Un autre a traversé la place pour chercher de l'eau, je ne sais pas quoi. Les gardes l'ont pris les deux. Ils ont soudainement coupé leur tête. Ils l'ont mis sur une pique. Ils ont placé les piques là sur les poteaux, les deux têtes sanglantes. Et j'ai vu les corps devant moi qui grimpaient, qui continuaient à grimper même avec les têtes coupées. C'était pour moi horrible. Finalement, une interprète est venue, il a dit, vous n'êtes pas les prisonniers de guerre, vous êtes les criminels de guerre, et pour vous punir, on va faire marche en arrière, on va vous faire marcher, et on a marché toute la nuit en faisant marche arrière. Ce qui reste des 70 000 prisonniers de Batane parvient au bout de 10 jours à la gare de San Fernando, où on les enferme dans des wagons grillagés, presque un luxe après ce qu'ils ont subi. Here lie Americans, some who died only hours before the liberation of Japan's Bilibid prison. These Navy films tell the grim story of torture and starvation of the 800 who still survive after 3 years under the Japs. These are United States naval officers who were captured when Manila fell, a few of the many Americans still prisoners of the Japs. For 37 interminable months, these courageous men were starved. Their daily ration, barely 600 grams of rice, soybeans, and cornmeal. Their spirits remain strong, but beneath their uniforms is the terrible evidence, pitifully undernourished bodies. The camera shows how nearly the Jap starvation diet succeeded. Remember Bataan. How can these men ever forget it? Ce train que l'on a retrouvé en gare de Dachau conduisait dans ce camp atroce des déportés amenés de Buchenwald. Au cours d'un voyage de 10 jours, sans nourriture et sans eau, 600 malheureux sont morts. Les nazis, dans le désordre de leur déroute, trouvaient encore le temps de faire rouler sur leur dernier rail ces trains qui étaient déjà des cimetières. Au camp de Tekla, les SS ont incendié la baraque où ils avaient rassemblé 350 prisonniers. Ceux qui avaient tenté de fuir ont été tirés dans les tunnels qu'ils avaient réussi à creuser. Le lance-flammes et la mitrailleuse ont fait le reste.
Par miracle, quelques hommes ont survécu. Et celui-ci explique comment certains d'entre eux ont tenté de fuir à travers les barbelés que traversait un courant électrique. Mais tous ne sont pas passés. De telles images sont la honte d'une nation. Albert Jacquard, on a montré là quelques exemples. On aurait pu aussi bien montrer des massacres d'Arménie en 1915, ensuite des drames au Kurdistan ou dans d'autres pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comment vous réagissez? Bien sûr, ce sont des Japonais d'un côté, ce sont des Allemands de l'autre qui ont fait ça. Et on a la peine à leur pardonner. Mais j'aimerais dire que les Japonais étaient un peuple extrêmement évolué. Les Allemands, un peuple probablement le plus évolué de toute l'Europe. Et ils ont fait ça quand même. Ils étaient des hommes. Je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est se dire que des hommes sont capables de faire ça. Pourquoi en sont-ils capables? Qu'est-ce qui peut rendre assez fou pour mépriser à ce point, pour torturer, pour détruire? Et je crois que c'est véritablement la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Au nom de quoi est-ce qu'on pourrait encore justifier des horreurs pareilles? Or, dès que l'on fait la guerre, automatiquement, il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de guerre propre. La notion de guerre propre est une notion complètement folle, c'est pas vrai. Il n'y a pas de guerre propre. La guerre contre l'Irak n'était pas une guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre, alors il ne faut pas être de guerre du tout. Et il faut donc maintenant se remettre à penser comment organiser l'humanité sur cette petite planète, comment l'organiser pour que les 5 milliards d'hommes d'aujourd'hui, les 10 milliards du siècle prochain, puissent vivre sans être tentés de faire cela. Car en fait, cette tentation à laquelle ont succombé les Japonais, les Américains, tous ceux que vous évoquez, et au fond, nous, à certains moments de notre histoire, cette tentation, elle est toujours présente quand il y a la guerre. C'est ça qu'il faut éviter. Mais Albert Jacquard, on a parlé de l'utopie communiste. Je crois entendre là l'utopie pacifiste. Qu'est-ce que l'on peut faire pour prévenir la guerre? Est-ce que vous avez quelque idée là-dessus? En tout cas, certainement ne pas la préparer. Le fameux proverbe « qui veut la paix prépare la guerre », comment peut-on encore le répéter puisqu'on a toujours préparé la guerre et on a toujours eu la guerre et jamais la paix. Par conséquent, le proverbe est faux. Donc déjà, pour avoir la paix, il faut ne pas préparer la guerre. Et tous ceux qui préparent les guerres futures, en fait, s'arrangent pour qu'elles aient lieu quand même. Et certainement, il y a autre chose à faire. Il faut essayer en profondeur de comprendre pourquoi des peuples peuvent se faire la guerre. Alors oui, j'ai quelques idées, elles peuvent être un peu simplettes, probablement. Mais mon idée centrale, c'est que nous sommes en train de créer une société de la compétition. Et la guerre commence quand on dit à un enfant qu'il doit être compétitif contre un autre. La guerre commence quand on dit à une nation, à une entreprise qu'elle doit être compétitive. Une société comme la nôtre, qui prend comme moteur la compétition, c'est une société qui accepte déjà, en fin de course, d'aboutir à la guerre. Donc c'est à ce niveau-là, très en profondeur, qu'il faut lutter, qu'il faut changer d'objectif. Je ne suis pas sur Terre pour être un gagnant, car un gagnant, c'est un fabricant de perdants. Et un gagnant, c'est quelqu'un qui, un jour, pour gagner, fera n'importe quoi. Les pires horreurs. C'est à ce niveau-là que j'espère que l'on va pouvoir aller vers une humanité un peu assagie, un peu pacifiée. Écoutez, je crois que vous nous avez donné une première réponse, qu'il ne fallait pas surarmer, ni même armer. Peut-être désarmer. Bien sûr. Ce qu'on a raté entre les deux guerres, on peut peut-être le réussir désormais, sait-on jamais. Il y a aussi autre chose, je crois qu'il faut changer en profondeur, c'est que les hommes qui ont commis les crimes qu'on a vus ont toujours obéi. Et oui. Ils ont toujours obéi et le culte de l'obéissance passive, si j'ose dire, est aussi quelque chose qu'il faudrait réviser dans l'enseignement donné aux adolescents ou aux adultes. Alors maintenant, on va voir le deuxième versant de ces horreurs dont on a vu quelques aspects, c'est l'escalade des armes, en quelque sorte, proprement dite. Et je voudrais vous montrer en tout premier un document horrible qui est cette arme secrète, enfin pas tout à fait secrète, mais qu'on ne pensait pas utiliser en 14-18, les gaz, car le souvenir de la guerre de 14, c'est les gaz. Il y a eu aussi les sous-marins, bien sûr. Il y a eu d'autres excès militaires. La liste des crimes de guerre, comme vous l'avez dit, est infinie. Mais ce qui a vraiment frappé la mémoire, c'est les gaz. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, moi, j'étais gamin, on avait tous des masques à gaz. On a craint les gaz de partout et finalement, ils n'ont plus servi pour des raisons diverses.
Alors on va voir ce premier document sur les gaz, qu'on commentera si vous voulez bien. Cette séquence sur les aveugles est épouvantable, mais elle montre une chose, c'est que ceux qui ont été victimes de ces horreurs, au fond, ont été détruits par des individus qui ne les ont pas vus. Ceux qui ont lancé ces gaz, ceux qui ont ouvert les pots fumigènes, au fond, ils n'ont pas vu leurs victimes. Et c'est ça qui est nouveau actuellement, c'est qu'il y a une espèce d'écran entre la victime et le bourreau. C'est la fameuse formule américaine « fire and forget ». Tu appuies sur le bouton et tu oublies tout. Autrement dit, on fait un crime, mais on ne voit pas le crime en question. Et ça, c'est terriblement dangereux. Et ça ne peut être que plus dangereux encore avec les armes modernes. Finalement, il n'y a plus de contact et ça permet les pires horreurs. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'escalade la plus voyante, c'est celle des bombardements contre les civils. En vrai, ça avait commencé en Espagne, lorsque les franquistes et les nazis avaient bombardé Guernica, mais ensuite, ça a été le bombardement, comme on le sait, de Coventry, de Londres, etc. Et à la fin de la guerre, les Anglais qui se vengent en bombardant Dresde. On va voir ces documents. The martyred city of Coventry. Amid the wholesale wreckage of a noble city, crushed by the force of hundreds of tons of bombs, the steeple of her one-time beautiful 14th century cathedral looks down on a scene of indescribable desolation. Words are hopelessly inadequate to describe the horror and indignation felt all over the civilized world at this wanton devastation. 1,000 citizens of Coventry were killed or maimed by the Nazi disciples of slaughter, who kill mostly for the joy of killing and destroy mostly for the joy of destroying. These are scenes of the butchery at Coventry, hastening to be with his people of Coventry in their hour of adversity. The king was an inspiration to the stricken but courageous inhabitants. They came through the ordeal magnificently. This is their greatest hour. The courage of Coventry is an example to the whole world. The cities of Great Britain salute their brothers in this hour of tribulation, but not defeat. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. RAF heavy bombers assist Marshal Conyers' drive into the Reich. The target is Dresden. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army not many miles to the east. This strike put a stop to that. The night sky is pitted with aircraft, varicolored target markers, and the newest German ACAC device, a scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. Static electrical discharge caused by intense cold mars these magnificent bombing shots. After the RAF strike at Dresden, B-17 bombers of the 8th United States Air Force gave the city a repeat performance. After these attacks, the German overseas news agency said, "This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to atoms." Before these attacks, Dresden was planned as a substitute capital in place of Berlin. After this, Hitler will have to look for a substitute for the substitute. À Dresde, je crois bien, il y a eu plus de morts qu'à Hiroshima ou qu'à Nagasaki.
Du point de vue militaire, c'était probablement inutile. C'était une des plus belles villes d'Europe. Elle a été réduite en cendres pour rien, par vengeance, comme vous l'avez dit. Mais vous parliez d'escalade. Alors la prochaine fois, ça sera quoi? La prochaine fois, c'est plus simplement une grande ville comme Dresde qui disparaîtra. Ce sera toutes les villes du monde, toutes les campagnes du monde. C'est ça qu'il faut éviter. Mais est-ce qu'on a assez d'imagination pour se rendre compte que c'est possible? On y est presque arrivé, si j'ose dire, lors du bombardement d'Hiroshima, qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a vu plusieurs fois, mais ce sont les séquelles, bien sûr, qui sont la nouveauté dans le drame. On va les voir dans ce document. The effects on the human body observed here in Nagasaki were similar to those observed in Hiroshima. First aid work was carried on in the large buildings which escaped destruction and at hospitals in neighboring towns and villages. This is the condition we found at the Shinkozen Public School, where treatments were continued over the longest period. More than 3,000 patients were treated here. Later, patients were asked where they were at the time of the atomic explosion and whatever else they remembered. Blood corpuscle tests were also made, and medical observations and studies were carried on simultaneously with the treatments. Many patients were brought for treatments from the outside, from houses which escaped destruction. This is a case of burns. This is a case of burns on the hands and face. Burns on the right thigh. Burns on the feet. A girl 10 years old who was 400 meters from the epicenter. She shows symptoms of anemia. Leukocyte 1600. Four fingers of her left hand are about to fall off on account of severe burns. Like her sister, she is losing her hair as a result of radiation. This woman also shows anemia and depilation caused by radiation. This little girl of four was 500 meters from the epicenter. For about 14 days, she was as lively as she could be, but gradually she lost vitality and got edema. Case of hemorrhage caused by fracture of the bones and anemia. This boy of 11 was 2,000 meters from the epicenter. Leukocyte 5,900. Depilation, extreme anemia, and asthenia. And this young man of 18 suffers from burns and anemia and shows serious symptoms. This boy of 6 lost his resistance power and developed NOMA. He died 3 days after this photograph was taken. Ces images sont horribles, mais en fait, elles ne montrent pas le pire. Car ces bombes, bien sûr, tuent des hommes,
et des femmes. Ceux qui ne sont pas tués vont avoir des séquelles pendant toute leur vie. Mais le pire, c'est que les enfants qu'ils feront plus tard vont être marqués par cela. Car ces bombes nucléaires provoquent des mutations qui peut-être ne marquent pas les gens immédiatement, mais qui dans une, deux, trois générations vont aboutir à des horreurs. Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose de tellement souterrain que nous ne sommes pas capables de nous en rendre compte. Mais c'est cela qui a le plus marqué, qui marque le plus aujourd'hui les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est qu'ils savent que même leurs enfants et leurs petits-enfants vont en payer les conséquences. Là, c'est le biologiste qui a parlé, mais je voudrais aussi interpeller l'économiste, parce que vous l'êtes également, et surtout, pour autant que vous êtes un des rares à avoir établi un pont ou une passerelle ou une connexion entre, disons, la lutte qu'il faut commettre pour éviter le renouvellement de pareilles horreurs et le lien que ça peut avoir avec notre organisation, non pas politique, mais économique du monde. C'est toujours l'organisation politique qui est stigmatisée, à juste titre, quand on pense à Staline, à Hitler, etc. Et on ne pense pas assez que l'organisation économique est liée aussi à tout cela. Et vous l'avez bien montré. Vous pouvez nous montrer, nous dire comment ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de savoir ce que c'est qu'un homme. C'est ça la question. Or, avec le système économique que nous avons accepté, que nous avons mis en place, un homme, c'est un producteur, un consommateur, point. Alors qu'un homme, c'est un individu qui se construit par échange avec les autres. Pour moi, c'est la grande leçon de la biologie que réellement, on est homme avec un patrimoine génétique d'homme, mais que l'on devient un humain parce que l'on est en contact avec les autres. Or, nous avons un système économique qui finalement ne nous permet pas d'échanger. Où on échange des biens, on échange des fruits, on échange des richesses, mais on n'échange pas l'essentiel, nos angoisses, nos espoirs, nos projets. Et par conséquent, il faut revoir complètement, mais en profondeur, à la base, le système économique pour justement, comme on le disait tout à l'heure, supprimer la notion de concurrence, de compétition, et aboutir simplement à cet échange qui, au fond, ne peut être qu'à base d'amour. Si on veut lutter contre les horreurs, il faut aller à l'opposé et accepter une humanité basée sur l'amour. Ça devrait être possible. Albert Jacquard, vous êtes aussi un moraliste, et on vous remercie de ces paroles pleines de chaleur. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous changerons de thème, puisque nous aborderons l'éveil de l'Amérique latine à l'époque où nous sommes, c'est-à-dire fin 1945, lorsqu'il y a toutes sortes de révolutions, ou de mouvements, disons plutôt, en Argentine, au Brésil, et nous verrons pour la première fois des actualités brésiliennes. Mais avant de nous quitter, je crois qu'il faudrait voir un autre savant, qui a en quelque sorte réfléchi sur l'histoire de l'humanité, qui lui, à la différence de vous, a participé, si j'ose dire, à la construction de ces bombes qui ont commis les horreurs qu'on a dites. Et ce document sur Oppenheimer, une interview qu'on a faite de lui il y a une vingtaine d'années, est terrible parce qu'elle nous montre qu'un savant peut aussi s'élever au-dessus de ses réflexions théoriques et mathématiques et réfléchir sur l'humanité et tragiquement culpabiliser. Peut-on séparer le mariage ?